De plus en plus mise en avant dans les écoles professionnelles, l'approche par compétences est la nouvelle méthode d'apprentissage pour les jeunes en quête d'une formation qualifiante dans différents secteurs de métier, a signifié le formateur Jorchel Siasissa. La pédagogie active, ça veut dire qu'ici, c'est l'élève qui est au centre. Il y a un adage chinois qui dit il ne faut pas habituer à donner l'enfant du poisson, mais il faut plutôt l'apprendre comment pêcher. Donc, l'approche par compétences ici, c'est donner la possibilité aux jeunes. C'est-à-dire que c'est le jeune qui est donc le maître. Vous lui expliquez et il est là, il fait. Ici, le formateur explique, il coordonne, mais le jeune fait. Et en faisant, bien qu'au début, il y aura des erreurs, mais à force de faire des erreurs, l'apprenant va comprendre plus facilement. De nos jours, l'apprenant bénéficie du savoir sous la tutelle d'un formateur qui l'accompagne durant son apprentissage. Cette méthode a révolutionné les consciences et permet parfois aux jeunes d'entreprendre après leur formation. L'approche par compétences permet aux jeunes d'être autonomes. Ça veut dire que nous connaissons tous la situation économique du pays. Le jeune peut être capable d'aller créer sa propre entreprise. Mais aussi, s'il y a une possibilité en entreprise, le jeune peut aussi aller travailler en entreprise. Signalons que parmi les secteurs de métiers figurent en bonne place les métiers de l'industrie et ceux du bâtiment et travaux publics.